Fils et filles du bon Dieu, Bolo s'en va de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mardi de la sixième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Mais c'est le mardi gras, fils et filles du bon Dieu. C'est le moment de manger gras afin que le temps de carême, nous puissions passer par les trois P, la prière, le partage et la pénitence, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui, en ce jour, nous devons demeurer dans le mangement, le boivement et le dansement sur le mardi gras, fils et filles du bon Dieu. Voir les textes. Lettre de Saint Jacques, chapitre 1, verset 12 à 18. La tentation, le mal, l'épreuve, fils et filles du bon Dieu. C'est une des objections les plus courantes contre Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, si Dieu est bon, comme vous le dites, mais pourquoi ceci? Pourquoi la tentation, le mal? Pourquoi les épreuves? Saint Jacques répond, le mal, ce qui fait mal est passager. C'est une épreuve au sens moderne du mot. Quand on met à l'épreuve une machine, un élément technique pour s'assurer de sa valeur, fils et filles du bon Dieu. Oui, ainsi de l'homme, il est destiné à la joie et au bonheur, mais en passant par l'épreuve, fils et filles du bon Dieu, il recevra la couronne de vie, une fois sa valeur reconnue, fils et filles du bon Dieu. Tu as de la valeur auprès du Seigneur. Voilà pourquoi parfois tu passes par les tentations, par le mal, par les épreuves, fils et filles du bon Dieu. Oui, et dès maintenant, s'il y croit, il peut trouver chacun d'eux une joie dans ses épreuves, en sachant ce que Dieu a promis. Amen, fils et filles du bon Dieu. C'est la vertu d'espérance. Oui, une couronne de vie. 1 Corinthiens 9, 25, Apocalypse 2, 10. Symbole de joie, de bonheur, de victoire avec le Seigneur. Récompense messianique promise pour les derniers temps, fils et filles du bon Dieu. Le texte continue. En parlant sur cette interrogation qui revient encore, pourquoi Dieu nous met-il parfois dans de telles épreuves? Saint Jacques répond, oui, je l'ai dit, l'épreuve fait partie du dessein de Dieu comme une phrase passagère et mystérieusement utile, fils et filles du bon Dieu. Mais elle n'est pas pour autant directement et immédiatement voulue par Dieu. Dieu ne tente pas, il ne fait que répandre le bien en chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Et Jacques poursuit son argumentation en disant, Dieu est saint, inaccessible au mal, il ne peut pas vouloir le mal, ni le proposer à l'homme, fils et filles du bon Dieu. Mais alors, d'où vient la tentation? Elle vient de la nature des choses, de la création qui est forcément imparfaite, puisqu'elle n'est pas Dieu, et aussi du désir de l'homme qui est lui aussi imparfait, fils et filles du bon Dieu. Et alors, concernant les dons, les merveilleux, les présents merveilleux, fils et filles du bon Dieu, Saint Jacques reprend ces présents-là, ces dons viennent d'en haut. Ils descendent tout d'autres d'auprès du Père créateur de toutes choses. Oui, Saint Jacques y insiste, Dieu n'est que bonté, amour, lumière pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu, afin que nous puissions être également bonté, amour, lumière les uns les autres, fils et filles du bon Dieu. En lui, en Dieu, il n'y a aucune ténèbre. Il ne peut avoir que du bien, afin que nous également, nous puissions demeurer dans ce bien. Fils et filles du bon Dieu, oui, il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Marc, le chapitre 8, versets 14 à 21. La scène que nous propose Marc aujourd'hui est une des plus douloureuses de l'évangile. Jésus vient de rompre volontairement le dialogue avec les pharisiens devant leur intelligence et leur endurcissement. Or, nous le trouvons sur le bateau même qui les emporte devant la même incompréhension. Et ici, de la part même de ses amis les plus proches, les 12 choisis. Immense solitude. Jésus est entouré d'incrédulité, fils et filles du bon Dieu. Des incrédules sont encore aujourd'hui qui refusent la parole de Dieu. Personne ne comprend vraiment son message. Non, l'évangile n'est pas
enjolivé. Ce n'est pas un joli conte rose inventé par les 12. Il a fallu que les choses se passent ainsi pour qu'elles soient rapportées ainsi avec cette dureté. Fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est même ce malentendu révèle combien ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Jésus voudrait les mettre en garde contre le levain, considéré comme source d'impureté et de corruption. 1 Corinthiens 5, 6 à 8, Galates 5, 9. Les pharisiens, bien sûr. Jésus reste toujours sous le coup de la tentation de tout à l'heure. Le grand problème, c'est le pharisiaïsme. Attention, méfiez-vous. Oui, les pharisiens sont encore aujourd'hui dans l'église, fils et filles du bon Dieu. Méfiez-vous d'eux, parce qu'il y a des hypocrites, même dans l'église. Ce Saint-Père l'avait dit, Saint Jean-Paul II, la fumée de Satan est rentrée dans l'église, fils et filles du bon Dieu. Mais le Seigneur invite chacun de nous à la conversion. Oui, mais les apôtres, eux, ne sont préoccupés que des problèmes matériels. Ils ont peur de ne pas avoir assez à manger. Ils n'ont pas pris du pain chez le boulanger. Fils et filles du bon Dieu. Ils aussi sont aveugles et ne comprennent rien à Jésus. Notons qu'avant la profession de foi de Pierre, Marc 8, 27 à 30, Jésus va exercer son pouvoir illuminateur en guérissant comme avec peine un aveugle. Marc 8, 22 à 26. Fils et filles du bon Dieu, vous avez les yeux pour ne pas voir. Les disciples eux-mêmes devront être guéris de leur cécité spirituelle avant de reconnaître qui est Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur veut te guérir de ta cécité spirituelle, de ton aveuglement spirituel, de ton maboulisme spirituel. Il veut te mettre debout, fils et filles du bon Dieu. Ainsi, les 12 reçoivent le même reproche que les foules qui ne comprenaient pas les paraboles. Marc 4, 12. Oui, cette inintelligence des apôtres est ici fortement soulignée. Elle ira jusqu'à la fin, jusqu'à la résurrection. Jésus se manifesta aux 11 alors qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Marc 16, 14, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui, il y a encore de l'incrédulité, fils et filles du bon Dieu, dans notre monde. Beaucoup refusent la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu est là pour chacun de nous, pour sauver chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Nous sommes parfois bien orgueilleux de notre foi, bien sûrs de nous. Et pourtant, ne sommes-nous pas bien souvent intelligents et incrédules nous-mêmes, fils et filles du bon Dieu? Ô Seigneur, viens en aide à notre manque de foi. Rends-nous humbles, garde nos cœurs et nos esprits avertis en éveil. Toujours attentifs, disponibles pour de nouveaux progrès. Purifie-nous, ô Seigneur, du levain, de la suffisance du ngunda ngunda. Guéris-nous de nos certitudes orgueilleuses. Moi, c'est moi, moi, c'est moi, c'est moi, il faut m'écouter. Guéris-nous afin que nous puissions prendre le chemin d'humilité. C'est le chemin de la grâce. Parce que l'humble, c'est celui-là qui reçoit des grâces extraordinaires. L'humilité précède la gloire. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants. Et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. C'est Saint-Michel de la gloire dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée de grâce. Un bon mardi gras à tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipe Yayo et Tokos de mardi gras à tout un chacun de vous. Merci Seigneur.